Bonjour à toutes et à tous, Mémino et Méminette. Et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de Castle Crasher pour une nouvelle vidéo. La dernière fois nous avions fini les ovnis, le château de sable, tout ça. Maintenant, après un petit entraînement en off, voilà, nous passons au niveau supérieur. Alors ici, que je peux le casser sans utiliser de... Non, à mon avis, il faut que j'utilise les sandwichs. Ah, même pas en fait. What? C'est un mur incassable. Du moins pour le moment. Eh bien, bon bah... Tant pis. D'accord, alors maintenant on a accès ici, le marécage. Je viens vous sauver. De ces squelettes. Eh, maintenant ce sont mes alliés. Le pauvre, il a été torturé à mort. Eh, il s'en prend une belle. Mais retire ce truc de l'image. C'était une arme plutôt sympa, mais je préfère garder le couteau de pirate. Les mecs, ils étaient aux chiottes, tu sais. Ils sont toujours pas morts les deux gars là. Ils sont sympas. Ok, maintenant on avance. Non, lui c'est le mort de tout à l'heure. Ça fait de l'XP en plus. Allez hop. Il va y avoir des nouveaux ennemis ici, non? Non? Non plus. Ok. Ah, des tombes. Des tombes en plus. Quoi, c'est tout? Ah oui, d'accord. Ils sont chauds, les mecs. Soyez électrocuté. Bah, c'est des géants, quoi. Ils sont peut-être forts, mais ils sont lents. Et voilà le taf. Ça va, en plus, on a des popos. On a de quoi résister. Oula, d'accord, ils se sont fait massacrer. Par des chevaliers qui ont le pouvoir de la nature. Et qui m'ont l'air plutôt forts. Et on change de niveau dans pas longtemps, ça c'est très bien ça. Ouais.
Allez, venez. Je ne fais pas de chichi. Ah ouais, là, ils en ont vraiment bruit pour leur grade. Attendez. Mais c'est pas une nouvelle combinaison. Ah oui, d'accord. J'ai compris maintenant. Tu laisses tes potes mourir. Le mec est comme ça. Oh là là, cette puissance. Et on s'en sort vraiment bien. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? C'est... Je les reconnais, c'est des ennemis du... des premiers niveaux, ça. D'accord, que foutent ces ennemis ici? À se demander. Alors lui, on va le tuer prioritairement. Voilà. Autour du gros. Bon, tu as crevé, ouais. Ah, voilà. Ça devient quand même très puissant la magie au fur et à mesure. Franchement, faut pas s'en priver. Allez hop, un nouvel allié à nos rangs. T'as cru m'attaquer par derrière, mon jeune ami? N'empêche, là, notre portée magique est énorme. Comparé au début du jeu qui était rikiki. Oh, c'est quoi ça? C'est pas un mode qui... C'est pas un mode... Pas un mode. Un animal de compagnie qui me permet d'avoir plus d'XP par hasard? Nous ne faisons qu'un, nous faisons une équipe. Ça fait un peu de bien d'avoir un coup de main de temps en temps. Laissez-moi deviner, il va y avoir un truc bullshit et ils vont se faire tuer. What? Genre il est venu en mode ninja le mec. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait également. On avance. Oh oh, un épi de maïs. Qui frappe avec ses lianes. Que fait-il? On attaque à distance. C'est ce qui fait le plus de dégâts.
Le truc qui restaure un PV, quoi, le truc inutile. Séance popcorn. Non mais sérieux, c'est quoi cet ennemi? Yeah, popcorn! C'est quoi ce boss, sérieux? C'est pas un boss, ça! Ah, enfin il se défend! On prend les bonus, hein, on est comme ça, nous. C'est n'importe quoi. N'empêche, il y a pas mal de PV. Oh là, tout ce popcorn, sérieux. Ok, mais il fait vraiment pas mal en fait, hein. Il fait du 28 en dégâts, il croit faire quoi? Ah là par contre il commence à s'énerver. Il s'énerve un peu. Il fait exprès d'atterrir au-dessus de moi. Enfin, en dessous de moi. Je comprends pas trop ce boss. Yeah, du popcorn! Pouvez me laisser ramasser le popcorn? Merci. Ou ça aussi, c'est bien. Ok, bon bah on a récupéré un item qui je suppose va nous être très utile. Nouvelle arène débloquée. Hein? D'accord. Alors, un peu plus de magie. Le chef maïs, lol. Le magasin des marécages. What, c'est quoi ça? Augmente le taux de santé de votre nourriture. Ouais. Même si je sais pas trop ce que... Ouh là, attendez. Ouh, ça c'est intéressant. C'est très très intéressant, on va prendre ça. Waouh, regardez-moi ça, bim. Plus 5 de défense et plus 2 d'attaque. Alors que notre lame, c'était plus 1 d'attaque de plus. Les mecs, ils laissent traîner des seaux remplis d'or. Enfin, 5 or, c'est pas beaucoup, mais bon, voilà quoi. Le magasin était sympa. Du coup, je vais aller vérifier le minion que j'ai reçu ici. Augmente vos défenses, mais diminue votre agilité. Ah. Bah, je préfère l'autre minion alors. Où est-ce qu'il est?
Il y avait un mignon de ce style. Lui, là. Voilà. Ça augmente ma défense, mais ça ne baisse pas mon agilité. Prendre le meilleur, quand même. Par contre, un truc que je comprends pas ici, ou alors... Ah, ouais, c'est peut-être grâce à ça, en fait. D'accord. C'est une porte qui s'ouvre mécaniquement. Et pas en la fracassant, comme d'habitude. Oula, par contre, ici, on est plutôt lent. Je pense qu'à mon avis, il nous faudra le mob qui nous permet de se déplacer rapidement sous l'eau. Ils m'ont l'air plutôt résistants. Ok. C'est des ennemis plutôt bizarres. Ah, on n'est pas rapide, ça m'emmerde. Il faut qu'on prenne le mignon qui nous permette de se mouvoir dans l'eau normalement. Et en plus, ils ont pas de dégâts de recul, hein. Ils peuvent attaquer même si je les ai trop cutes. Pourtant, c'est des poissons, quoi. C'est pas très très logique. Vous savez quoi, si on perd dans ce niveau, on ira aller chercher le mignon qui augmente notre rapidité dans l'eau. Je suis obligé de sauter pour aller vite, quoi. Ah! Ce sera pas un niveau que aquatique. Quoique, une bonne partie, on va dire. Ils sont pas très réactifs, ces poissons. En fait, la magie ne les tombe pas. Il faut vraiment les attaquer. Les attaques, ils les ressentent, par exemple, par contre. Tandis que la magie, bah, ça leur fait des dégâts, mais ils peuvent attaquer en même temps, quoi. Allez, hop. Je les trouve dégueulasses, pas vous, les poissons. Ah, ils sont morts tous les deux? D'accord. Allez, de l'argent. Ah, s'il reste là, il va cuire sur place, le pauvre. Ah, ils se prennent que du 8 de dégâts. Ah, c'est peut-être parce qu'ils ont une magie de terre. Allez savoir. C'est quoi ça? Bon, en fait, c'est juste pour l'agilité, quoi. C'est un peu merdique. En plus, quand ils se mettent à sauter, ces ennemis, ils sont immunisés aux dégâts. Ça les rend un peu énervant. Allez, toi, bouffe mon pouvoir magique. Y a rien au-haut de ces escaliers. C'est bizarre. Les poissons d'abord, les guerriers ensuite.
Tous les trois en même temps, sérieux. Mais quelle bande d'idiots. Là là. Heureusement que parfois ils sont pas très... très fut-fut, hein. Qu'est-ce donc que ça? Un boss? What the... Oh génial, c'est une gorgone. Laisse-moi deviner. Si on la regarde, elle va nous pétrifier. En tout cas, elle a des PV. Faut pas l'attaquer de front. Génial, elle lance des subordonnés. Merde! Allez, sors de là, sors de là! Une petite potion. Elle m'a l'air plutôt chiante. Je ne la regarde pas. Et tout ira bien. Dégagez de là! J'essaye de la vider. Enfin, de la viser. De la vider. Ça veut rien dire. En plus, il drop rien, ces alliés là. C'est pas juste. Je peux pas l'attaquer de front, sinon elle me fout une pêche. Je peux éviter d'envoyer tes... Malheureusement, pour attaquer efficacement, je suis obligé de... Ah là 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 là, mais en même temps, ils sont chiants, ces serpents là. Non. Ah, on peut lui renvoyer ses propres serpents dans la face. What? Attendez. C'est intéressant, mais non. Désolé. Oh yeah! Du coup, ah, on est bientôt en full magie, hein. Bientôt. Rentrer à la maison, la pleine lune. Est-ce que je le fais maintenant? Surtout qu'en plus, j'ai envie de faire un truc. Un niveau que. Que je pense n'avoir pas fait. Ça, je l'ai fait, ça. Le mariage. Ah non, je l'ai pas fait. Ah, je peux le faire en bonus pour cet épisode. En plus, les ennemis ici n'ont pas l'air. Ah oui, mais c'est les mêmes que... Oui, je les reconnais. Non, normalement, ils sont pas très puissants. Ouais, ça confirme. Ça confirme ce que je pensais. Ouais, ils sont pas si forts que ça, effectivement. Oula, le combo que je lui ai fait à l'autre. Il s'en est pas remis. Ah mais attendez, non. Si, je l'ai fait en fait. Bon, c'est pas grave, ça sera toujours de l'XP. J'aime bien quand même les ennemis. Il utilise son pouvoir magique électrique. Et si je me mettais dedans pour voir ce que ça faisait? Je suis sûr ça fait pas mal. C'est un peu ça quoi en fait. Hein. Les mecs, ils se mettent littéralement dans mon rayon. Ils pensent quoi, sérieusement? Ça va leur faire du bien? Mais ouais, je pense vraiment avoir fait cette mission. Parce qu'en plus, elle est vraiment pas compliquée.
Effectivement, on les bat assez vite, hein. Meurs plus vite, s'il te plaît. Voilà. Oui, voilà. Ce boss-là, je le reconnais. Ça va, mon coco? Ah oui, mais c'est lui, j'avais oublié! Ah bah au final on a fini le niveau avant même que les canons aient eu le temps de nous tirer dessus. Ah oui c'est vrai, il y a la course poursuite du coup. Bon là c'est plus une mission pour XP un peu plus hein. Allez, envoyez-moi le monstre, je sais que vous en mourrez d'envie. Allez, à la niche. Bon alors. Des ennemis comme ça, vous allez pas faire long feu. Hein. Oh là là. Bonjour, au revoir. C'est abusé. La puissance qu'on a. Bon, par contre, on va quitter la carte. Non, j'ai dit oui. Voilà. Et je vais vous laisser dans le magasin. Un peu comme toujours. Parce que bon, des fois, on rachète des potions. Ah, ils sont encore là. N'apprendrai donc jamais. Ok, bon, ça c'est fait. Donc on s'achète deux potions, on a dit. Parce qu'on peut pas en acheter plus. Et je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager et à liker. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao mes minous.